Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message, guidance, comme vous le pensez, comme vous le désirez, de cette semaine. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024 et comme vous le savez, pour toutes celles et ceux qui me suivent, je termine avec vous le vendredi pour la guidance journalière. Et avant de commencer, eh bien, je me libère totalement de tout jugement, de toute colère, de toute culpabilité et totalement du passé. Aujourd'hui, j'ai pigé patience. Patience est une qualité, l'impatience est une distorsion. Donc, si on est impatient, eh bien, il faut travailler sur cette impatience pour que ça devienne une qualité. L'esprit pensant, ou l'ego, je dirais plus l'ego, aime aller très vite l'ego, et n'a parfois pas la patience d'accueillir chaque événement comme une occasion, eh bien, de grandir. Pourquoi ? Parce que lui, il veut tout de suite. Il a tendance à voir une situation qui lui déplaît comme un obstacle. Ça, c'est l'ego. Il faut savoir, mettre son ego de côté. Et l'ego ne doit pas primer sur nous. Il faut l'équilibrer. Certaines personnes sourient à chaque nouveau défi ou nouvelles épreuves en ayant confiance en ce qui les guide et savent qu'au fond de leur être, eh bien, chaque événement est une occasion de mieux se connaître et d'évoluer. Alors, ayez confiance. Ayez confiance en ce qui vous guide et apprenez à avancer pas à pas. Vous savez, petit à petit, l'oiseau y fait son nid, hein? En co-créant votre vie, eh bien, vous apprenez à visualiser vos rêves, à avancer sur votre chemin, à vous centrer, à accueillir et à lâcher prise surtout sur ce qui n'est pas essentiel. Par contre, votre ego, il va titiller sur tout ça. Il va vous titiller, donc dites-lui, laisse-moi tranquille. À chaque étape de votre vie, n'est-ce pas, vous apprenez. Parce qu'encore une fois, nous sommes ici pour apprendre, pour expérimenter. En vous rapprochant quotidiennement de votre âme, eh bien, vous acquérez plus de patience et de sagesse. Tellement vrai, n'est-ce pas? La sagesse, elle s'acquiert avec le temps. Être patient, c'est le temps. Laisser du temps au temps. Le temps, il arrange toujours n'importe quelle situation. Mais il faut de la patience. Je vais vous demander de noter un projet, personnel ou professionnel, comme vous le désirez, pour lequel, eh bien, vous n'êtes pas patient. Avez-vous envie de changer de travail? Ou alors, avez-vous envie d'être en couple? Ou encore, avez-vous envie d'habiter dans une nouvelle région? Ou simplement d'être plus patient vis-à-vis d'un de vos proches? Eh bien, choisissez un sujet et posez une main près de votre petit cœur. Respirez profondément quelques minutes pour vous centrer et
vous reconnecter à votre partie divine. Puis, demandez-vous, que suis-je en train d'apprendre? Je vais vous demander de compléter la phrase par j'apprends à. Complétez cette phrase. Et moi, je vous dirai de faire ce mantra aujourd'hui. J'apprends la patience, j'apprends la patience, j'apprends la patience. Demandez à votre ange de vous aider à être plus patient. N'oubliez pas que si vous ne sollicitez pas les anges, que ce soit les archanges, votre guide, ben, ils ne viendront pas à vous. Ils ne demandent que ça, de travailler pour vous, avec vous. Mais il faut les solliciter. Très, très beau message pour terminer cette semaine. C'est un très bel oracle, je trouve. Magnifique pour faire ce beau travail sur soi. Vous savez, ma chaîne, vraiment, c'est un travail sur soi. Bien sûr qu'il y a les messages, les guidances, les tarots, le tarot, mais c'est surtout ce beau travail, ce beau cheminement qu'on peut faire dans ce cheminement spirituel, parce que moi, pour moi, la spiritualité, c'est pas une question de religion, c'est juste une question d'être meilleur de ce qu'on est. On est venu ici sur Terre pourquoi ? Pour améliorer nos qualités et nos vertus, pour travailler sur nos distorsions, nos défauts, les transcender en lumière. Nous sommes venus sur Terre pour expérimenter et pour apprendre. Pour moi, c'est cela, la spiritualité. Je termine avec l'oracle des amoureux. Et aujourd'hui, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on vous demande, on vous invite, eh bien, d'avoir un peu de recul. Prenez un peu de recul un vis-à-vis de l'autre. Vous avez besoin de respirer. Voilà. C'est le message de l'oracle des amoureux. Je vous souhaite une excellente journée, un très joli week-end, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie, etc. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de ce que vous aimez. Prenez soin de ce qui vous entoure. Et moi, je vous embrasse tout fort. À très vite.